Depuis 2009, accueilli régulièrement par le groupe du Wedge, la chorégraphe Régine Chopineau s'aventure, questionne et approfondit sa recherche du corps en mouvement, en lien avec la force de la parole auprès de ces cultures organisées par et sur la transmission orale. La première étincelle, c'était d'abord celle d'inviter Régine Chopineau et de partager son aventure avec le public du festival. Puis après, le sens de cette démarche, cette rencontre que tu mènes là-bas, sur la question du langage, de la transmission orale, d'aller chercher quelque chose de l'autre côté de notre planète, quasiment, et de le faire revenir, retraverser les océans pour revenir ici, après prenait son sens dans le Festival d'Avignon et s'est mis à résonner avec aussi beaucoup d'autres propositions qu'il y avait au festival, au 66e Festival d'Avignon, et notamment pour les artistes qui travaillent plutôt dans une recherche chorégraphique et qui posent avec des questions très différentes ce rapport à l'autre et ce rapport à la différence. Donc, il s'inscrit absolument complètement au cœur des questions qui vont résonner dans cette édition. Dire qu'est-ce qu'on va montrer à Avignon avec ces personnes, ben, ça va être en fait principalement le travail sur l'énergie qui va sortir. C'est la cheville qui articule, c'est pas le pied. Quand vous vous déplacez, ça pousse ici. Donc faites ça avec les orteils qui pianotent pas. Very, very well, very, very wedge. C'est une expérience pour moi du fait que c'est un voyage, donc une aventure, un voyage avec toi. Là, chez nos amis Kanak, enfin tes amis Kanak qui sont devenus les miens en ce jour. En fin de compte, la création, c'est quand même le moment brut, le moment justement de là où les personnes interviennent et sont réelles. Et du coup, c'est là où tout change et tout est remis en question. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est être toujours sur le fil du rasoir. Ah, ça, je vais les doigts.